Dans cette vidéo, on revit notre enfance pendant 24 heures. On va manger des menus spécial menu enfant. Oublie pas de liker et de t'abonner, cette vidéo va être incroyable. C'est parti. Ah, mais attendez les gars, les enfants ils mangent quoi au petit déjeuner? Attends, Myriam. Quoi? Les enfants ils mangent quoi au petit déjeuner? Simple question. Des gâteaux, des calops, du lait, plein de Attendez, c'est moi qui vais aller faire les courses et je vais acheter votre petit déjeuner. C'est parti. Les gars, pour cette journée incroyable, j'ai aussi une surprise à Yacine et Myriam. J'ai reçu des jouets Eldrador. On va trop bien s'amuser. C'est une gamme de figurines uniques issues des 5 mondes de Eldrador. C'est incroyable. Ça existe depuis 2018 et cette année, ils proposent une zone de combat avec plusieurs playsets. Ça s'appelle les Battle Cave avec une arène comme pièce principale. Et on peut brancher chaque monde sur une arène. Yacine et Myriam, ils vont kiffer. Ça permet d'étendre le combat pour plus de fun et en plus, on peut faire de la narration. C'est dingue. En plus là c'est les vacances de Noël, vous allez pouvoir vous faire plaisir de ouf. Là on allait jouer Eldrador la famille, c'est l'arène principale. Et à côté on a plein de battle cars. On a ici les loups des ténèbres, on a la tarentule, le rat des glaces. Et en fait vous faites des 1v1. Donc Yacine et Myriam auront des créatures et vont devoir s'affronter, ça va être une dinguerie. Là maintenant on va jouer au jeu de notre enfance. Ça s'appelle la battle cave. C'est tout simplement des créatures maléfiques. Donc chacun a un camp. On va tous présenter nos personnages et nos champions. Vous allez faire un tournoi là? Ouais. Je vais t'éclater parce que là j'ai des champions de malade mental. Je te laisse présenter tes champions en premier, je présenterai les miens. Déjà, on commence par des personnages ultra forts. La tarentule de la jungle. Là, on a le big boss de la tarentule de la jungle avec sa boule. Et là, on a l'araignée, ma phobie. Ensuite, on continue avec la hyène de lave. Donc là, tout simplement, il y a le dragon de lave, maléfique. Et là, on a le taureau de lave et là, la hyène de lave. T'as un dernier personnage, je vois ici, là. Ouais, ça, c'est le rat de glace et accompagné de son loup de glace. Et ici, bien évidemment, ça peut tourner. Garde ça pour le tournoi. À toi, Yacine. On commence directement avec le boss de mon équipe, c'est le caméléon de pierre juste ici. Lui, il est en retrait, comme ça, si ça part en cacahuète, il peut envoyer un méga catapulte. Nous avons juste ici ses deux potes, les rhinocéros de pierre, qui eux sont en première ligne. Comme ça, ils vont pouvoir tout dégager. Et bien évidemment, nos alliés, c'est les ténèbres. Nous avons le lion des ténèbres. Nous avons le cerbère des ténèbres et le loup des ténèbres avec bien évidemment la cage à piège. Donc si quelqu'un s'approche trop près, le piège se referme. Je déclare la battle cave ouverte. Les règles sont simples. Un seul coup chacun. Le dernier survivant remporte le combat. Let's go. Le dragon. Ok, Yacine, tu vas faire ton coup. Le caméléon de pierre s'apprête à contrer le dragon. Boum. Oh, le dragon est éliminé. Incroyable. La hyène de lave contourne par la gauche. Et en même temps, la cage s'ouvre. Les monstres de pierre décident d'attaquer la hyène à deux. Et ils l'embrochent. Ah, je suis vaincue. La tarentule est très énervée. Du coup, elle décide d'envoyer sa boule d'araignée. Oh. Et elle touche les deux en même temps. Les deux sont morts. On va les mettre sur le côté. Et le caméléon qui est très énervé, qui dit les gars, précipitez-vous pas. On a le lion des ténèbres qui est très 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 énervé, qui va directement contourner par le flanc gauche jusque les glaces. Le piège se referme, le piège se referme. Oh, le lion qui est complètement congelé et qui ne peut plus bouger. Il est bloqué, il est congelé le lion. Chut, le là-bas. Le caméléon décide de riposter en envoyant une catapulte à l'aveugle sur les glaces. Ouh. Et c'est touché! Il a réussi à délivrer le lion. Le lion qui réussit à revenir devant son piège. Le taureau qui décide de s'élancer vers le lion. Et non, il est piégé. Il s'est fait piéger le taureau. Allez, allez, aidez-moi. Le rat qui continue sa course pour mettre hors de vue le caméléon. Et il l'a attaqué. Et oh non, le chef est tombé. Le chef est tombé. Personne n'est dirigé. Les cerbères et le loup des ténèbres décident d'attaquer directement de face. Les créatures de la lave avaient une arme secrète. Oh, nous sommes tombés. Répète, nous sommes tombés, nous avons perdu. Non. Nous avons gagné. Les tarentules sont très contents. Ouais. Étant donné que j'ai gagné, je peux récupérer tous les cristaux. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Et là, je vais pouvoir construire le super cristal. Les jeux de notre enfance, c'est trop une dinguerie. On a pris énormément de plaisir à faire ça. D'ailleurs, un petit conseil aux jeunes. Plutôt que d'être toute la journée sur vos tablettes, essayez de jouer à ce genre de jeu. Vous allez voir, vous allez kiffer. D'ailleurs, tout est en description. Pour retrouver tout de A à Z. Les jeux, ils sont incroyables. Et puis, nous, on va continuer la journée. Alors, on est bien. Yacine va nous faire son petit déjeuner. On est vraiment bien. Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de faire plaisir à Myriam et Younes et leur prendre des tacos. Non, je rigole. Ils vont manger comme des bébés, les amis. Ça, on l'a jamais fait sur la chaîne YouTube. Et on va découvrir ce que les bébés, ils mangent. Donc, il y a des trucs de fou. Ici, comme vous pouvez le voir, on a des compotes, on a des trucs aux légumes, on a des boudoirs. Regardez la chance, les bébés, ils ont quoi? Ils ont des laits saveur biscuit. Je savais même pas que ça existait. Ils ont aussi des yaourts en mode fraise. Ils ont plein de trucs, les gars. Je vais faire mon choix. Je vais leur concocter un bon petit déjeuner. Par contre, je sais pas si je leur prends ça. Je mangeais des souvenirs quand j'étais bébé. On mangeait des légumes comme ça, là, en mode bouillie. C'est. Mais pourquoi on a des trucs de bébé, Yacine? Parce que on va tester. Là, il y a des compotes de bébés aux légumes. On a ici des trucs au colin. Ça a l'air incroyable en vrai.
vrai les bébés. T'as été bébé dans ta vie. Oui. T'as été bébé dans ta vie. Oui. Et ben vous allez regoûter aux saveurs des bon, enfants. On va commencer par le blé d'une petite déj. Le lait des bébés, à ce qui paraît, il est super bon. Il a le goût du biscuit, Younes. Vas-y, on va tester ça. Il y a un verre, là, il y a un petit verre. C'est quoi, c'est le goût biscuit? Goût biscuit, les gars, goût biscuit, c'est du jamais vu. Mais c'est pas du lait, ça. Pourquoi c'est étanche comme ça? Attends, viens, on trempe un gâteau, non? Vas-y, goûte le lait. D'abord le lait comme ça, d'abord. Le lait qui est censé faire grandir. Est-ce que c'est mieux que le lait ou est-ce que c'est moins bon? C'est pas bon? Goûte. C'est dégueulasse. Attends, les bébés, normalement, ils mangent des bons trucs. Ouais. Bah mais ça bon, va, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est, ça a le goût du vomi, genre en biscuit. C'est écœurant. Oh là 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 là, les bébés, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ramène des gâteaux. On va tester le gâteau du coup. Non, pas ça. Attends, les bébés, ils mangent quoi? Des gâteaux Blédina, les gars, mon petit beurre. Oh, les gâteaux, tu peux pas dire sans, ça sent les biscuits, maman. Oh. Tu veux pas dire que les gâteaux, ça, c'est vraiment, on est vraiment dans les menus. Enfin, moi, je trempe carrément. Ça a l'air incroyable. Oh, les bébés ont trop de la chance. Les gars, les bébés ont trop de la chance, c'est trop incroyable. Il y a des pépites de chocolat à l'intérieur, le biscuit est bon. C'est une masterclass, Myriam. Je vous propose de passer au prochain, mais délicieux. Donc on a tout simplement des wafers, je sais pas ce que regardez, la boîte, on dirait des sirops. On dirait pas les sirops quand t'as mal à la gorge. J'ai jamais vu des wafers. Oh, regardez, c'est des sortes de biscuits. C'est pour les 6 ans, ceux qui ont 6 ans. Wow, ça a l'air incroyable, ça sent la fraise. C'est des sortes de biscuits à la fraise, c'est super léger. Regarde. Mais y a rien. Attends, là. Ça a l'air incroyable. Eh les gars, les gâteaux des bébés, c'est des bangers. En plus, c'est grave léger, ça fait pas mal au ventre. Il y a un bon goût de fraise. Et avec le lait comme ça trempé là, on dirait pas une chips. Je vous propose de vous rafraîchir avec un petit jus d'orange, les amis. Oh. On a donc le jus pomme-mangue des bébés. On va voir ce que ça donne. Alors ça, je peux vous assurer que c'est la meilleure chose de tous les bébés réunis. Incroyable. C'est mieux que le Capri Sun, ça, les gars. C'est goûte, c'est mieux que le Capri Sun, Myriam. J'en ai déjà goûté à l'ancienne, c'est la meilleure chose des bébés. Ça va, en vrai, ça va. C'est de la vraie mangue. Ça va, tu peux pas dire que c'est pas bon, ça va. Oui, ça, c'est des vrais fruits, nature et bio. Des vrais fruits, ça. C'est parce que les bébés, les gars, ils ont pas le droit de boire des trucs pas bons, sinon ça va être claqué. Non, on va passer au salé. Ça va être incroyable. Donc là, nous avons tout simplement une poutine. Hein? Non, c'est pas une poutine. C'est... Bah, si c'est une poutine pour les bébés. Ah, je sais c'est quoi. C'est des sortes de hachis avec du poisson dedans pour les bébés. Les gars, ça, c'est leur repas. Ils mangent quoi? Ils mangent des légumes, pâtes et cabillaud. Mais par contre, eux, pâtes, comme ils ont pas dedans les bébés, c'est en bouillie. Ça sent grave les bébés de trucs. C'est parti, bismillah. Oh, ça a l'air dégueulasse. Oh mon dieu. Mais je comprends pourquoi ils font que pleurer toute la journée, les bébés. Oh. C'est pas bon? Non, c'est un goût de boue. Toi, le goût de métal. C'est un goût de boue. Un peu. On va passer à l'étape supérieure, les amis. Non. Nous avons des légumes verts en pot. Et bien évidemment, c'est happy. Donc, on a des brocolis dedans. On a des haricots verts. On a toutes sortes de légumes. Allez, allez, on voit. On est chaud. Allez, on est chaud. Moi, d'habitude, j'aime trop les légumes. Si je prends une grosse cuillère, les amis. Attention. T'avales, c'est des légumes. Avale tes légumes. Non. C'est pas bon. C'est la pire chose que j'aime. Heureusement, merci Seigneur, je suis plus un bébé. À ce point-là? Ah, mais les gars, c'est normal qu'ils pleurent toute la journée, les bébés. Mais c'est pas bon. Je vous plains. Et le dessert, je pense que ça, c'est le plat préféré des bébés. Nous avons les yaourts. Regardez. Waouh! Des yaourts à la fraise, en mode comme ça, petit pot. Ça a l'air incroyable. Là, vous allez pouvoir tester. Pas sympa d'avoir fait un petit déjeuner comme ça. Mais c'est pour tester. Après, vous allez mettre une note sur 10 au repas des bébés. Ah, ça, faut goûter ça aussi. Oui, à la fin. Vas-y, bismillah. Le yaourt, normalement, c'est une valeur sûre. Ça va. Oh, il est incroyable. Incroyable, le yaourt. Il est bien velouté. Elle a attendu que je goûte pour goûter. Il est bien crémeux, les gars. Je kiffe le goût de la fraise. En dernier aliment, nous avons le Capri Sun. Le Capri Sun des bébés à la mangue. Ah ouais, c'est une compote en fait. Par contre, regarde ce qu'il y a marqué dessus. Il y a marqué, les gars, comme c'est des bébés, 99% de mangue. C'est-à-dire qu'il y a 0% de sucre. C'est incroyable ça. On va mettre ça dans un jus. Vous allez pouvoir tester. Non, moi je vais goûter à la bouche. Par contre, la suite de la journée, tu fais plus aucun repas. Oh, c'est en mode compote jus. C'est entre les deux. Je pense que tu vas kiffer, Myriam. Alors? Je goûte pas, c'est mort. Non. Je rigole. Ça a le goût des trompe-l'œil. C'est pas bon. T'es une note de 1 à 10 au repas des bébés. 0. Je mets 3 pour les gâteaux. Non, 2 parce que 1 et 2. Franchement, les bébés, c'est pas facile pour vous. Mais bien cher, vous avez pas de dents, manger des légumes en bouillie. Nous, on va faire une activité et après cet après-midi, j'ai une idée de malade pour les menus enfants. Quoi? Menu enfant, on va faire. Vous verrez après. Par contre, Myriam, tu dois finir tes légumes. On va comparer qui est le plus gros rat entre Otakos et Quick. Non, en vrai, tu penses c'est lequel le plus gros rat? Dans les menus enfants, Quick, c'est toujours les boss. Et moi, je vous dis la vérité, Otakos, j'ai jamais vu des menus enfants Otakos. Donc, on va comparer ça directement. On va comparer au poids déjà. Oh, Quick, c'est large, vas-y, porte-toi. Ok, on va voir, attends, moi je veux savoir c'est quoi les burgers de Quick et les burgers de Otakos. Attends, d'abord, avant de regarder les burgers, d'abord, viens regarder les accessoires. Déjà, okay. What? Des chaussettes. C'est le cadeau. Normalement, il y a un jouet, ils ont mis des chaussettes. Et, okay, et chez Otakos, est-ce qu'il y a un jouet? Une blague, chez Otakos, il n'y a pas de jouet. Moi, chez Otakos, il n'y a pas de jouet. Il n'y a pas de jouet chez Otakos, donc ça fait un point pour Quick. Ensuite, on va regarder le burger. Donc, au niveau du burger, nous avons un. Mais il a été mal fait le burger. C'est un Giant. Ils ont mis un Giant comme burger.
burger, ok, donc c'est un bon burger. Ensuite, en accompagnement, nous avons... Bouteille d'eau, c'est bien. Une bouteille d'eau, ça, on s'en fiche. Nous avons des rustiques potatoes que l'on va disposer juste ici. Ouais, il y en a trois. Ouais, ils ont fait les rats, ils en ont pas mis beaucoup. Il y en a 4 ou 5. Et pour finir, nous avons un yop d'Anonino. Ça, c'était pour le quick. Maintenant, on va voir Otakos. Ok, donc d'abord chez Otakos, ils ont mis un capricène. Oh, à la place de mettre une bouteille d'eau, ils ont mis un capricène, ok. Avec un yop. Ok. Déjà, on sait que ça sera pas très sec. La taille du tacos. Mais what? En vrai, ça dépasse, mais c'est pas. What? C'est quoi ça? C'est pas un tacos. Regardez, ils ont fait les rats là. Oh yo. Alors là, franchement, je m'attendais à un tacos beaucoup plus grand. On dirait un burger. En vrai de vrai, il n'y a pas de frites comme accompagnement? Non. Il n'y a pas de frites comme accompagnement, les amis. Donc, en termes de quantité, encore une fois, ça fait un point pour Quick. Ouais. Maintenant, en termes de goût, on va tester ça. Tu veux commencer par quoi, Quick? Je vais commencer par Quick. Okay. Déjà, on va commencer par les potatoes. Ok, les potatoes. Ah, déjà, sont super grandes. Ok. Bien évidemment, on n'a pas eu de sauce. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'a des sauces. Donc, du coup, Quick, aïe, aïe, c'est un peu sec. Vous voyez ici, vous faites ça. Oh, j'avoue, tu grattes le fromage. La frite, elle est bien épicée, bien salée. C'est validé. Ok, maintenant, j'ai envie que tu tapes le burger. Le burger, normalement, c'est une valeur sûre. Ce que j'aime bien chez Quick, c'est que dans chaque burger, ils mettent tout le temps beaucoup de sauce. Attendez, du coup, c'est incroyable. Déjà, on va essayer sans. Bismillah. Là, tu penses un enfant, il va être calé? En gros, en finissant, ouais, je pense. Ah ouais? Ouais. Et est-ce que tu penses que genre un enfant ne peut ne pas terminer le burger? Non, impossible. Maintenant, on va faire le combo total, les amis. Elle va mettre des frites rustiques à l'intérieur. Ça va être incroyable. C'est pas des frites rustiques, c'est des potatoes. Ok, tu peux tester. Là. Franchement, c'est excellent. Attends, mais tu mets combien sur 10 au goût? 10. 10 sur 10 au goût pour Quick, ok. Maintenant, elle va tester le tacos. Donc, le tacos, il va vraiment falloir qu'il se rattrape parce que la quantité, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas non plus de frites avec. Donc, il va falloir qu'il se rattrape. Ouais. Ça sent le Quick et le Otakos. Alors comme ça, ça m'attend pas. J'aime pas cette famille, j'aime pas, il m'énerve. C'est Yacine. Non, c'est Myriam. Non, c'est Yacine. C'est elle qui mange, c'est pas c'est moi toi. En plus, regarde, il y en a à manger, il y a des chaussettes. Bah ouais, donné ouais, des chaussettes, regarde. Des chaussettes, Tony Parker. Regardez, il y a des chaussettes. Bah oui. Bon, bref, on va finir la dégustation quand même. Myriam, tu vas tester le tacos. Est-ce que les tacos, ils vont se rattraper ou pas du coup? Déjà, est-ce que je l'ouvre? Un bon croc et après, tu montreras la caméra. En termes de goût, déjà, il y a du curry. Ok. On dirait un peu un curry crème fraîche. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'est bon ou pas? En vrai, le combo curry crème fraîche, ça fait un bon truc. Donc, en vrai, c'est validé pour Otakos. Ok. En termes de goût, donc Otakos, c'est validé. Maintenant, tu mets combien de 1 à 10? 9,8. Oh, 9,8 sur 10. Du coup, les amis, c'est officiel. Quick remporte le prix du meilleur menu face à Otakos. Attends, il nous manque un dernier truc. On va comparer les deux. Oh, regardez, même dans la taille. Même dans la taille, Quick, il gagne encore. Il y a plus de quantité. Incroyable. Toi, en vrai, tu préfères avoir ça ou un tiramisu ou un dessert? Un tiramisu ou un dessert? Ah ouais, ouais. T'aimes pas ça genre? Si, mais enfin, un tiramisu ou un dessert. Ok, ok. C'est bon, ça va. Tu vois, je suis passé à quoi? C'est à la fraise, je crois. Là, c'est Otakos qui remporte. Ok, en termes de dessert, Otakos, ils sont au-dessus. Ouais. Donc la famille, nous en tout cas, on valide les deux menus enfants, mais Quick remporte la manche. Alors maintenant, dans les menus enfants, ils donnent des chaussettes. Mais à la base, un cadeau, c'est pour qu'un enfant, il s'amuse. Comment vous voulez qu'un enfant de 4, 5 ans ou 10 ans, il... Salam alaikum, mettez un like, abonnez-vous. Eh, c'est pas sérieux de donner des cadeaux comme ça. Inès, désolé, mais avec la vidéo enfant, moi, je vais aller faire des packs sur FIFA, là. Quoi? Vas-y, ben Myriam, elle fait pas, alors que toi et moi. Ouais, que toi et moi, Myriam, tu fais pas des packs sur FIFA. Pourquoi? Mais parce que tu joues même pas à FIFA, et moi, Yassine. Si, je joue, j'ai la gestion. Ok, bah, regarde, si on a des bons joueurs, et ben on te dira, t'inquiète. Ouais, on te dira. Ça, c'est pas. Allez, go, Mbappé, allez. S'il te plaît, s'il te plaît, une bonne carte. Oh. Anime, ça? Ouais, anime, gardien, argentin. Ah, c'est pas le goal de l'Argentine. Mais c'est une animation, c'est pas grave. Combien? 87. Oh. Vous savez pourquoi il a 87? A votre avis, pourquoi dans les commentaires il a 87? Parle ou je parle? Ou je parle pas? Non, parlez. Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ouais, simple, simple, efficace. Allez. Vamos. Oh, pourquoi la couleur elle est différente? C'est un boost, non? C'est un boost ça, les gars. Ouais. C'est noir. C'est encore une fille. Bayern. C'est un boost, frère. Oh. 85. Incroyable. On repart, les gars, on repart. Là, c'est une anime, là. Là, c'est une anime, je crois. Ouais. Mossé, argentin. T'as que des animes, mec. Les gars, ce pack opening, il est incroyable. Oh. Il est incroyable. Dybala, je crois, j'ai eu Dybala. Ah non, car... Oh, double anime. Carbaral, pas la Carbaral, frère. Dinguerie, les gars. Wesh. Oh, le gros pack. Là, c'est une anime. Là, c'est là, deux barres. J'ai vu les deux barres. Liga. Messi, non pas Messi. Mais c'est espagnol, attention. Barcelone, Pedri. Oh, Pedri. C'est une double anime, non? Yes. Ah non, c'est pas une Pedri, double anime. Pedri, il est super fort. Hein. Bon, le repas du soir, c'est simple et efficace. On va demander à Maïa de Snap qu'est-ce qu'un enfant doit manger le soir. Et on verra qu'est-ce qu'il va nous dire. Mais d'abord, la famille, venez nous suivre sur Snap, les gars. Code Familia tiré du bas officiel, on fait des stories tous les jours, c'est une dinguerie. Allez, c'est parti. On va directement demander à Maïa. J'écris, que mangent les enfants le soir? Point d'interrogation. Attention, il écrit. Les enfants mangent souvent des repas légers le soir, comme des pâtes, des soupes ou des sandwichs. Non. C'est important de bien manger même le soir pour rester en forme. Tu as une préférence pour le dîner ce soir? Bah, tu dois choisir entre des pâtes,
un des sandwichs ou de la soupe? J'ai choisi des pâtes. Des pâtes, incroyable. Et on va demander pour le dessert. Et pour le dessert. Point d'interrogation. Pour le dessert, les enfants aiment souvent des choses sucrées, comme des fruits, des yaourts ou parfois des petits gâteaux. Oh, moi je choisis des petits gâteaux. Ok, donc des pâtes avec des petits gâteaux, let's go. Myriam, elle a trop la rage. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais, Myriam? Regardez sa grosse tête. T'es bonne humeur du jour. Qu'est-ce que t'as fait à tâter? Bah, j'ai fait quoi? Bah, c'est mon humeur, je me suis réveillée comme ça. Eh, hey, c'est la seule enfant au monde qui est pas contente de manger des pâtes. Donc, Myriam, ton menu, il est simple. Comme a dit Maïa, t'as des pâtes, des gâteaux, t'as des bonbons, allô quoi. Donc, vas-y, mange. Par contre, y a pas de fourchette, pas de couteau parce que les enfants, ils arrivent pas à manger avec des fourchettes et des couteaux. Mais tu fais quoi? Moi, je mange un bonbon. Oh là là, les amis, elle fait n'importe quoi. Vraiment, normalement, c'est le dessert, les bonbons, les reilles. Les gars, les bonbons au cola, c'est pas les meilleurs parce que c'est les meilleurs, c'est les Schtroumpfs qui piquent, mais c'est les deuxièmes meilleurs. Vraiment, vous êtes d'accord avec moi à dire qu'il y a que les enfants qui aiment les bonbons, c'est vraiment dégueulasse, les bonbons. Ça sert à rien. Là, mange des pâtes à la main, mon oratou. Fais montrer les la petite crème. Fais leur montrer un petit peu. Elle pense qu'à elle, les rayons. Regardez-moi ça. Ouais. Regardez la petite crème. Tu me donneras ça aussi de matin. Vas-y, je vais te laisser manger. Sans plus, les gars, il y a des épinards et de la crème fraîche. Ouais. Non, franchement, les pâtes, c'est impossible que ce soit pas bon, vraiment. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin pour voir ce que Maïa va me décider pour moi. J'espère qu'il y aura des vrais trucs. J'espère que tu auras des brocolis. Mmh. Oh, attends, je vais tester. Par contre, c'est trop timide ce que tu fais. On va ramener une fourchette. Non, non, attends, je vais tester. C'est trop timide ce qu'elle fait. Non, pas ça, pitié, pour la France. Non, les gars, non. Elle a mélangé tous les produits enfants. Ah, t'es dégueulasse. Ah non, les gars, je suis vraiment désolé. Ne refaites vraiment jamais ça chez vous. Oh, mais qu'est-ce qui a fait votre pote? C'est pas moi qui lui a pris ça. Hein. C'est vraiment pas moi. Mmh, t'as le jocou? Aujourd'hui, c'était catastrophique. Je vais te laisser manger ton assiette et je vais aller voir Maïa ce qui va me décider. Les gars, pour le coup, mon mélange, il était assez bon. Donc, si vous voulez tester à la maison, testez. Moi, les gars, j'ai plein de trucs. Je vais me régaler et on se retrouve juste après pour les brocolis de jeunesse. À mon tour de savoir ce que je vais manger, Myriam a bien. Non. S'il vous plaît, alors, faut que je trouve. Attends, je vais dire que mangent les enfants gourmands. Vu que moi, je suis gourmand, j'aime bien manger. Que mangent les enfants gourmands. La gourmandise. Le soir, je rajoute, on sait jamais. Allez, stop, Maïa. Ah, un kebab. Ils mangent des kebabs, des tacos, des pizza. Les enfants gourmands peuvent opter pour des plats un peu plus consistants. Yes! Comme des pizzas, des hamburgers. Yes! C'est important de trouver un bon équilibre entre se faire plaisir et manger sainement. Tu as une préférence pour les repas copieux? Oui, les gars, on va pouvoir choisir entre pizza et hamburger. Vous connaissez votre pote. On va prendre les deux! Et pour le dessert, s'il te plaît. Pâtisserie, please. Pour le dessert, qu'est-ce qu'on va avoir? Il écrit. Les enfants gourmands adorent souvent les desserts riches et délicieux comme des gâteaux, des crêpes, de la glace ou des tartes. Mais on est trop bien, merci Maïa, les amis. Bon, oh, attendez. Regardez derrière vous, il y a un pénalty, peut-être que vous allez faire su en direct. Allez, Ronaldo. Est-ce que vous allez faire su? Allez, Ronaldo. Peut-être que vous allez faire su en direct. Allez, Chris, s'il te plaît. Attention. Est-ce qu'il va faire su? Myriam, prépare-toi à faire su, prépare-toi. Attention, le gant qui va mettre un pénalty. C'est l'heure du dîner, les amis. Regardez, il y a marqué Younes. Mais quelle grande classe dans ce 24 heures spécial enfant. Hey, Younes, ça se fait trop pas. Moi, viens t'asseoir à côté, mon enfant. Et c'était comment les pâtes? C'était bonne les pâtes? Je crois que t'es drôle en plus. On commence par la multi pizza. Oh mon dieu. Avec son poulet, son fromage, j'avoue que Maïa m'a mis super bien. Mais c'est pas fini. Non, arrête, il y a marqué Younes, Myriam. Et commence même pas. Ici, nous avons normalement My Big Burger. Oh là là, ils m'ont bien respecté. Il est bien grand, bien balèze. Les gars, ça n'a rien à voir avec un menu enfant, mais c'est pas de ma faute. Moi, je respecte. Et c'est pas fini. Dans ce sac, nous avons un petit dessert. Mais d'abord, on va taper le plat. Attends, Younes. Quand t'as combien, tu remets ton truc en jeu. Eh, vous savez quoi? Quand t'as 3, je remets mon truc en jeu. 1, 2, 3, 3. Attends, par contre, ça veut dire quoi? Tu remets ton truc en jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais te donner un défi. Et si tu arrives, tu gagnes. Si t'arrives pas, c'est moi qui tape un croc dans tout. Un croc, vas-y, carré. En vrai, il y a beaucoup. C'est quoi le défi? J'attends. Le défi, c'est tu vas prendre le ballon et tu vas devoir le mettre dans le même truc de basket. Tu vas devoir marquer. Carré, ça, le Tu as dit, je vais te ramener, tu vas tirer de là, là où il y a ta nourriture. De là. Nourriture, mais ça va pas ou quoi là? C'est pas grave, vous savez pourquoi j'accepte? Parce que les enfants ils aiment bien jouer. Et aujourd'hui je suis joueur. Ça va pas ou quoi là? Elle y est pas. T'es sûr? Ouais. La vérité sort toujours dans la bouche des enfants. Tape ton croc. Par contre, écoute-moi bien. Si tu me déranges pour faire un croc de petite souris, me redemande plus jamais rien. On va commencer par le Big Burger. Commence par le burger, s'il te plaît. Alors, déjà dans le burger pour commencer le croc. Je vais bien me régaler. Oh, j'aime beaucoup. Ok, là on parle. Est-ce qu'il est bon? Ah, c'est au chicken, les gars. C'est un bon menu. Chicken. T'es bien content d'avoir gagné ton quota combien? Les gars, on dirait le chicken, des pépés chicken, c'est trop bon. Maïa, c'est un boss. Ouais. Bon, allez, maintenant je vais attaquer. Mais attends, c'est à moi, faut que je fasse un croc dans tout. Ah, mais je comptais faire mon petit croc là. Ouais, laisse-moi le faire. On a assez souffert dans cette journée, les gars. Dites-vous hein, que le repas de bébé le matin, j'ai encore dans la gueule. Dégueulasse. Là, je vais plier. Attends, mais t'as pas pris 2 parts là par contre? Non, c'est une part, mais.
Mais tu n'es pas un enfant. Les gars, pour vous dire que les pâtes, ça remplit pas le ventre, regardez, après avoir tapé ses pâtes, elle tape dans ma pizza. Non, mais si tu me dégoûtes. Vas-y, mets ta part là. Parce que je sais que vous voulez voir le petit dessert que j'ai. Regardez-moi ce petit dessert. Donc on passe dedans. Smiley, t'es un mammouth. On commence par le meilleur gâteau au monde. Tartodin, ça c'est vraiment super bon. Mais par contre, elle est trop petite. C'est normal, c'est pour les enfants. Et on continue avec le tiramisu. De la part de Nubi. Mais pourquoi elle est déjà entamée? Oh, les arnaqueurs. Il y a une deuxième dinguerie. Ils ont mis deux fourchettes. Tu leur as dit que t'allais venir? C'est pas normal qu'il y a deux fourchettes, les gars. Vu qu'elle doit encore taper un croc, vu que j'ai pas mis une panier de basket. C'est pas grave, il m'en reste beaucoup à manger. Je vais te laisser taper un petit croc dans le tiramisu. Mais non, mais pas des trucs comme ça. Là, par contre, le sucré, je rigole pas. Non, par contre, le sucré, je rigole pas. Tu vas tout faire tomber. Attends, remets un peu juste. Non, laisse pas le faire. Qui t'a envoyé? Moi. Alors, repose juste un petit bout. Ah, c'est mon croc. Myriam commence à devenir désagréable et commence à me dégoûter. Je vais reprendre encore. Vraiment, je t'aimais bien comme petite sœur, mais là, tu commences à me dégoûter. Regarde ce que tu fais. J'avale tout. Oh, repose un petit peu. Sois une petite sœur gentille. T'as vu déjà, je te laisse faire un croc devant les abonnés. La ragla, là. Vas-y, redonne. Je suis pas avec toi. Fais ton dernier croc dans la part de gâteau. Et c'est bon. Les gars, le tiramisu, c'est au spéculoos. Déjà, c'est au spéculoos, j'ai remarqué. C'est vraiment l'un des meilleurs tiramisu. Après le Oreo. Tu consommes beaucoup pour un gosse, toi. Hein. Oh lolo, pourquoi t'as les super petites? Oui, bah donc fais un petit croc si elle est super petite. C'est bon, pose mon mien. Les gars, je suis désolé, ce qui va se passer, je peux pas être filmé sur YouTube. Je vais tout déglinguer. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, à moi, elle m'a vraiment plu. Mais j'ai oublié sa pizza et son burger. Mais j'espère tout manger. Non, mais j'ai pas oublié, hein. C'est juste que j'ai que deux bras. J'ai que deux bras pour le bien là.